En Occident, l'imitation, c'est un peu s'asseoir sous un manguier, être un petit peu blissed out. Ou alors, l'idée justement courante de l'imitation, c'est il faut vous asseoir et puis faire le vide dans votre esprit. Je veux dire, c'est pas ça du tout. Évidemment, faut faire un peu le ménage. Je veux dire, parce qu'on a tellement de pensées errantes et envahissantes. Donc, il faut savoir être un peu en contrôle, en charge de son propre esprit. La liberté intérieure, c'est pas de faire tout ce que. C'est pas suivre tout l'enchaînement de pensées, mais c'est un peu comme un marin qui prend la barre de son bateau et qui décide où est-ce qu'il va naviguer au lieu de dériver au fil des courants. Ben, si on veut engendrer un état d'esprit particulier, de faire ce qu'il faut pour ça. Et là. Bon, on y va, Mathieu. Tu peux te lever. Hein. That's where these concepts of meditation and belief come in, because we in our Western society are so focused on health simply being the absence of disease. But health is much, much more than that. Mais cette fois,